Bonjour, je m'appelle Élise, je travaille à l'IME du Bouquet et je suis monitrice éducatrice. Alors, monitrice éducatrice, c'est un diplôme qui se passe sur 2 ans. Ça consiste à travailler dans toutes les structures médico-sociales. Le travail de moniteur éducateur, c'est vraiment un savoir-être où il faut avoir beaucoup d'empathie par rapport aux jeunes qu'on accueille ou les adultes avec qui on peut travailler. C'est un travail d'équipe. On est un chef d'orchestre, mais toute l'équipe pluridisciplinaire, toute l'institution, pas forcément le moniteur éducateur, même s'il y contribue beaucoup, et que les jeunes sont des notes de musique qu'il faut accorder et qu'à la fin de toutes ces notes de musique, ça fait un petit chef-d'œuvre. Ça fait une petite composition, même quand il y a des fausses notes, ça fait quelque chose de sympa. Le médico-social, c'est mon coup de cœur. Les personnes avec des traits autistiques, c'est vraiment un public avec lequel j'apprécie de travailler. J'étais gendarme adjoint, premier régiment d'infanterie. Et puis j'ai rencontré une famille en difficulté. Et il a fallu monter un gros projet autour de cette famille. On lui a trouvé une structure, un foyer d'accueil médicalisé. Et quand j'y ai mis les pieds, je me suis rendu compte que c'était fait pour moi. Que des personnes atypiques, c'était ce que je voulais faire, m'occuper de personnes atypiques. Et puis ces gens-là m'ont apporté beaucoup de choses et j'ai essayé de leur apporter ce que je pouvais leur apporter avec l'équipe. L'ADAPEI m'a beaucoup aidé à me former, notamment autour de l'aspect sensoriel de notre travail. J'ai fait la formation Snozolène, là j'en fais encore une la semaine prochaine. Après, autour aussi des comportements auto-hétéro-agressifs, où on nous a apporté des cartes pour mieux réagir face à des troubles du comportement. Je ne garde pas spécialement une action en mémoire, mais j'en ai tous les jours tout plein.